Bon, déchargez la voiture. À tout. À quoi? Tu es toute belle. Enfin, s'occupe bien de toi. Hein? Enfin, les voilà. Maï, envoie de l'eau. Hé, Boubli, attends long, ton air tombe dans mes bras. Ma fille, assieds-toi. Atta, voici de l'eau. Elle est bien fraîche, l'eau qui vient de la source. Maintenant, nous allons demander une nouvelle. Vas-y. Atta, les vieux disent que le long trajet ne tue pas le serpent. Vous avez fait un bon voyage, j'espère. Mon oncle, nous avons la paix, nous et nos enfants. Merci, mon fils. Merci. Merci, merci. Merci. La paix ne peut jamais vous manquer tant que nous sommes en vie. À quoi? Mes petits-fils, toi, tu es bien? Oui, ils vont bien. Ils vous saluent. Mon fils, le corbeau dit, contre la mort, ma plus sûre amulette de protection est ma vue. Tes oncles et moi sommes rassemblés pour parler des dernières dispositions avant la cérémonie de demain. J'espère que tu as tout apprêté. Mon père, je suis venu avec le mouton, la pièce de paille et l'argent. Disons que tout est prêt pour le sacrifice de demain. Très bien. Attends, tu es vraiment un boni. Tu vois, mon fils, la protection n'a pas de prix. Dans la vie, si tu n'es pas plus fort que tes adversaires, eux, ils t'emporteront. Mais comme dernier rappel, sachez qu'on ne rentre pas dans le couvent vêtu en tenue de vivre. À quoi? Tu attacheras ton pain à la patrie. Et toi, Atta, tu enlèveras simplement ta chemise. Demain matin, très tôt, la cérémonie va commencer. Ce sera un grand rituel. Tout le village est au courant. Il se fait tard, nous allons nous lever. Vraiment, j'ai eu beaucoup faim. Habitants du village de Bodoumé, Gobli Boni m'envoie vous dire que la cérémonie de canari de son fils Atta et de sa belle-fille Akwa aura lieu demain. Tout le village est invité. Écoute ce que dit le curé. Faut dormir. Demain, nous devons nous réveiller tôt pour traverser la forêt. Mais pourquoi la forêt? Nato, le charlatan qui s'occupe de la cérémonie de demain, à la date de la forêt sacrée. Nato, j'ai entendu parler de lui. Ma camarade Balian pas touche de sa puissance au marché. La renommée de Nato dépasse les frontières du pays. Il a la science de tous les mystères. Il ne se passe de jour sans qu'il ne reçoive la visite de personnalité. Nato est très fort. Je pense qu'il peut bien nous protéger. Bon, dormons. Thank you.
Mes enfants, vous ne pouvez pas rester suspendus dans le vide comme la lune. Vous devez au contraire vous protéger contre vos ennemis qui sont dans les noirs. Nato est le garant de la vie de notre tribu. La paix accompagne nos pas. La voix est libre. Ayo, Kofi Bao. Levez-vous. Nato, Nato, Ayo, Nato, Ayo, Nato. Attends, mets tes mains sur le bélier noir. Toi quoi, pose tes deux mains sur le bélier blanc. Prononcez vos voeux. Je veux avoir une grande promotion au travail. Et que tous ceux qui sont contre moi disparaissent. Je veux avoir beaucoup d'argent et une longue vie. Moi, je veux que mon mari m'aime beaucoup et que mon commerce marche. Surtout, toute ma famille et moi, nous soyons protégés contre les sorciers et les malfaiteurs. Ah!
Dans ce canari se trouve votre vie. Votre vie est bien protégée dans ce canari. Oh Nato. Le jour où il se brise, je dis s'il se brise, vous mourrez tous les deux dans un tragique accident. Nato. Nato. Voici ce totem. Vous ne mangerez pas de viande de bœuf. Vous ne mangerez pas de viande de porc. Vous ne mangerez pas de poisson. Vous ne mangerez pas de pâte arachide, de photo de manioc. Chaque année, vous devez sacrifier pour le canari porteur de votre vie de bélier. Pour le canari porteur de votre vie de bélier. Un noir et un blanc. Nato. Nato. Du blanc. Bon. Pas mon pouvoir, je te nomme directeur de votre société. Nato. Ton patron sera ton serviteur. Levez-vous. Allons au village pour immoler le mouton. Nato. Oh!
Mes frères, je vous remercie. Notre grand-père a l'habitude de dire « L'animal mangé par un animal se trouve dans le ventre d'un animal. » C'est pour dire que ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait pour vous-même. Mangeons. C'est quand même dur. Le bout de la protection. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde passe par là. Même les collègues de la ville. Ils font plus que ça. Ils vont jusqu'à passer des nuits entières au cimetière. Vraiment, moi je n'ai même pas l'appétit. Comment on peut manger dans cette saleté de sang? Ça me donne la nausée. Dis, pendant combien de temps faut-il que nous gardons cette tenue? Oh, c'est tout juste pour la nuit. Tu sais à quoi? Sois raisonnable. C'est la coutume. Nous ne pouvons pas la rejeter. Même les grands patrons de nos villes, ils ont leur marabout qui les protège. Et Dieu seul sait à quelle humiliation ils se soumettent quand il s'agit de leur protection. Tu as raison. J'accompagne l'autre jour une amie où elle est allée consulter un marabout. Quel marabout? Père Koulaï. Koulaï? Mais c'est le marabout de mon patron. Il est très fort. Il dort dans une cabane et il est très sale. Cependant, il fait déshabiller mon ami. Et cette grande dame, aussi belle, accepte de se faire laver par ce type de plaisante. Enfin, Nato n'est pas comme les autres. Il est très puissant, il est très influent. Bon, je vais me coucher. Toi, tu vas dormir avec mes soeurs. Hein? Demain, nous repartons. Du village, grand-père. Le village va bien, les parents vous saluent. Ah bon, et le vieux? Le vieux, il est en bonne santé. Ah. Et il travaille toujours fort. Et à quoi particulièrement, à une bonne heure. Ah bon? Mais je dois lui faire un cadeau. Hein. C'est demain votre voyage? Oui, nous partons demain. Ok. Bon, apportez-moi de la bière et des verres. Oui, entrez. Ah, attends. Oh, voisin. Bonne arrivée. Merci, merci. Bonsoir. Asseyez-vous. Et à quoi? Alors déjà de retour. Comment ça va au village? Comme ça ma chère. Vous voulez de la bière? Oh non merci, un peu d'eau. Ah j'oubliais, vous ne prenez pas d'alcool. C'est ça. Mais attends, tu as l'air très fatigué. Que s'est-il passé au village? Mon cher, nous sommes allés pour une cérémonie au village. Mais le village fait peur. Ah oui? Comment ça? Mais là-bas, chaque jour de l'existence, il faut faire des sacrifices. Ça alors? Et pourquoi? Mais pour se protéger. Sinon, vous serez fauché comme l'herbe. Ici, en ville, on n'a même pas de bons charlatans. Pourtant, on est obligé de payer cher pour se protéger. Eh bien, voisin, c'est dommage. Vraiment dommage que vous ne voulez pas recevoir Jésus dans votre vie. Vous comprendrez que vous n'aurez plus besoin de faire des sacrifices de moutons pour vous protéger ou pour avoir la vie. Oh, voisin, tu reviens encore à ton histoire de Jésus? Je t'ai amené des ignames. Les enfants vont t'apporter ça le soir. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Ouais. Bon, on va prendre un peu. Écoute, Tata.
Je suis très peiné de vous voir chercher la vie dans les rivières, dans les montagnes, alors que la vie ne se trouve pas dans ces choses. Mais où se trouve la vie? La vie se trouve en Jésus, à quoi? Bon, écoute, voisin, nous aurons le temps de penser à Jésus. Plus tard, hein? Pas maintenant. Ah bon? Ok? En tout cas, notre prière pour Akwa et toi, c'est que vous l'acceptiez le plus tôt. Vraiment. Bien bon, nous allons vous laisser vous reposer. Aussi, nous vous informons que demain, nous déménageons. Ah bon? Oui. Eh bien, allez, je ne vais plus te voir. Ne t'inquiète pas. Toutes les fois que nous serons ici, je passerai te dire bonjour. D'accord? Bon, d'accord. Merci bien. Oh, ne vous dérangez pas, hein? Allez vous reposer. Bonsoir. Allez, bonsoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Mm-hmm. Bonsoir. Ouais. Les voisins ne sont pas fatigués avec leur bazar de Jésus. Je suis bien content qu'ils déménagent. Comme ça, nous aurons la paix. Akoli et Bialy vont me manquer. Tu penses que tout ce qu'ils ont dit de ce Jésus est vrai? Toi aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de vous apprendre que la situation financière de la société est loin de s'améliorer. Nous sommes déficitaires, nous avons liquidé certaines de nos machines pour éponger nos dettes, mais ça ne va toujours pas. Nous sommes dans l'impossibilité de fonctionner avec cet effectif du personnel. Certains d'entre vous seront obligés de partir. Malgré les gros sacrifices que j'ai faits, malgré Nato et sa puissance, toutes mes économies sont rentrées dans les sacrifices. Atta, paye mouton, j'ai payé mouton. Atta, donne cabri, j'ai donné cabri. Atta, donne poulet, j'ai donné poulet. Atta, donne l'argent, j'ai donné l'argent. J'ai donné tout ce que les fétiches m'ont réclamé. Et ce canari protecteur, j'ai même dormi dans du sang de bélier. Si malgré toutes ces choses... Entrez! Ah, Koné. Bonjour, Atta. Bonjour. Assieds-toi. Merci. Atta, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça ne va pas chez toi. Koné, je ne comprends plus. Les choses semblent mal tourner autour de moi. Dis-moi ce qui ne va pas. On dirait que je suis menacé de renvoi au service. C'est tout? Koné, je suis troublé, je n'ai pas la paix. Écoute-moi. Rien ne peut surprendre celui qui veille. Rappelle-toi un peu tes origines. Un bon fils de forêt ou de savane ne se laisse pas surprendre par les problèmes de la vie. Atta, il faut que tu consultes les vieux. Les vieux? Je suis arrivé du village il n'y a pas longtemps où j'ai fait un sacrifice rassurant. Nato vient de chez moi. J'ai épuisé toute ma fortune pour avoir un canari protecteur. Tu sais mon frère, en matière de protection, un seul sacrifice, ça ne suffit pas. Il t'en faut plusieurs. Tu es au courant de moi. J'ai au moins 3 canaris sous mon lit. Sans compter les amulettes que je porte au rein et d'autres que j'ai dans les poches. C'est ce qu'il te faut. Tu dois te protéger. Mon père me l'a toujours répété. Oh, quelle sorte de vie. Bon, si tu veux, je t'accompagne chez mon marabout. Il s'appelle Baillé. Il est très puissant. Seulement, il te faut un peu de sous. Non, ça, ce n'est pas un problème. Pourvu que je trouve une solution. Alors, allons vite.
C'est ça. Étranger, mes courriers m'ont annoncé votre arrivée. Et que l'un de vous est attaché. Que son âme est emprisonnée dans un... canari. C'est ça. Étranger, celui que mes courriers ont dénoncé parle. C'est ça. Il s'agit bien de moi. Ah. Je suis menacé de renvoi au service. Top. À partir d'aujourd'hui, tout ira bien dans ta vie. Car je suis ton sauveur. Attends. Regarde. Femme, qu'est-ce que ton mari t'a fait? Étranger, ce que je vais te dire est très grave. Méfie-toi de ta femme. C'est elle qui est à la base de tous tes malheurs. C'est vrai. Ah. Mon malheur a commencé depuis le jour où je l'ai épousée. Elle ne veut seulement pas ma maman, mais elle veut te tuer. Pour s'approprier de ta richesse. Que dois-je faire? Aidez-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Arrivé à la maison, il ne faut rien dire à ta femme. Jusqu'à ce que la situation sera arrangée. Après cela, tu agiras. Je veillerai sur ta vie. Tu seras même nommé directeur dans ton service. Tiens. Arrivé à la maison, tu y mettras 6 œufs. 11 colas blanches. 11 colas rouges. Et un caméléon femelle. Tu verras, ce panier est sacré. Étranger, je veux que tu me donnes 30 000 francs. Demain, pour te faire une potion. Tenez, voici 40 000. Là, ben, il ne touche pas l'argent. Fais exactement ce que je te dis. Et puis tu verras. Assalamu alaikum. Ça ne va pas du tout. Un malheur s'annonce à l'horizon. Tu sais à quoi? J'ai appris ce matin qu'on doit diminuer le personnel au service. Rassure-toi. Après tout ce que nous venons de faire comme sacrifice, rien ne va t'arriver. Attends, souviens-toi des promesses de Nato. Tu seras le directeur. Et tu verras que cet aménagement au service sera en ta faveur. Enfin, j'ai confiance en Nato. Laisse tomber et viens manger. Enfin. Où va papa? Va te coucher.
fait quoi? Vous n'avez pas travaillé? Dis-moi, ce qui ne va pas. Tiens, lis ça. Mais attends, doucement. Lise. Monsieur Boni Atta, nous sommes dans le regret de vous apprendre que vous êtes licencié. Licencié? Tu sais ce que cela signifie? Je n'ai plus de travail. Malgré tout ce que j'ai payé à Nato, à Nato le Grand, à Nato et à Baillé, attends. Qui devant moi? Même hier à minuit, je suis allé déposer ce panier que ce soi-disant Baillé m'a dit de déposer. Nato, Baillé, tout cela sont des voleurs. Et tout mon argent est rentré dans les poches de Nato. Bon, écoute, sors de chez moi. Arrête. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Attends. Je ne veux plus te voir. Papa, hein? Je ne veux plus te voir. Attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je dis, je ne veux plus de cette femme sous mon toit. Calme-toi, esprit. Je ne sais pas. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Rien ne marche dans ma vie. Mais je vous dis, je ne veux plus de cette femme sous mon toit. Quelque chose me dit de la chasser. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai sacrifié ma vie pour t'aider. Attends, comment tu peux en vouloir à ta femme? Voisin, je te dis que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ça, attends, il ne pense pas au lendemain, il est ingrat. Moi, ingrat? Moi? À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus sur ma maison. Sinon, tu vas voir. Allez, ouais, sorcière. À qui je vais laisser mes enfants? À qui? Allez, venez, venez. Laissez-la. Si papa t'entend, il va nous frapper. Tais-toi, ça ne fait rien. Venez manger. Votre mère croit que sans elle, moi, je ne peux pas vivre. Tiens, mange. Papa, je n'ai pas faim. Bon, si vous ne voulez pas manger, allez-y vous coucher. Votre maman croit que sans elle, moi, je ne peux pas vivre. Je vais lui montrer que je peux vivre sans elle. Si tu pleures, les camarades vont se moquer de nous. Depuis hier, nous n'avons pas mangé à cause de faim. Apo, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à dossier? Oh, il n'a rien, c'est un paresseux. Ne pleure pas. Sopi, est-ce que tu peux partager ton goûter avec nous? Nous n'avons même pas mangé hier et mon petit frère a faim. Tenez, mangez. Merci, Sopi. Merci beaucoup. Si maman était là, je lui dirais que tu étais gentil avec nous. Tais-toi. Oh, votre maman n'est pas là. Papa l'a renvoyé. Tu as vu? Tu fais pleurer tout le monde. Sopi, ne pleure pas. Apo, venez chez nous à la maison. Papa et maman seront contents de vous accueillir. Sopi, notre papa va nous frapper. Maman va vous préparer un bon plat. Elle sera contente. Merci, mais nous ne pouvons pas.
Je vais prier pour vous. D'où venez-vous? Hein? D'où venez-vous? Ça va pas. Hein? Ça va pas. D'où venez-vous? Des bâtards comme ça, des malheureux. Hein? D'où venez-vous? Allez! Sortez ici! Toi, je vais te frapper, tu vas me connaître. Allez! Allez rejoindre votre mère! Allez, toi aussi! Allez, sortez. Des malheureux comme ça. Tais-toi, Dossé. Ça ne fait rien. Un jour, nous allons partir chez maman. J'ai peur d'aller à la maison. C'est vrai, si papa sait que nous ne sommes pas allés à l'école, il va nous tuer. Ce n'est pas juste, c'est papa même qui nous a chassés. Nous n'avons même pas mangé ce midi. Allons, prenons le chemin qui passe derrière la maison de Sopi. Peut-être que nous allons la rencontrer venant de l'école. Elle nous dira si papa est venu nous chercher à l'école. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur ami, c'est Jésus. Le meilleur... Hé, Apo! Je vous ai cherché partout. Notre papa nous a frappés. Il nous a chassés de la maison. Oh, qu'avez-vous mangé ce midi? Rien, sauf des mangues vertes. Ce n'est pas juste papa ne nous aime pas. Personne ne nous aime. Si, Dossé. Quelqu'un vous aime. Moi, je le sais. Maman me l'a dit. Sopi, tu dis des bêtises. Mon petit frère a raison. Personne ne nous aime. Quand papa nous frappait, personne n'est venu à notre secours. Quand papa frappait maman, personne ne l'a empêché. Non, quelqu'un vous aime, mais vous ne le savez pas. Dis-nous le nom de cette personne. Il s'appelle Jésus. Il est l'ami des enfants et des grands. Il est le sauveur du monde. Il est fort et il peut tout faire. Est-ce qu'il peut faire venir maman à la maison? Oui, Jésus peut tout faire. Il a même réveillé les morts. Que devons-nous faire? Sopi, comment tu sais que Jésus nous aime? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Jésus veut être votre ami. Il peut aider vos parents à retrouver la joie de vivre ensemble et à s'aimer mieux. Conduis-nous vite à Jésus. Oui, s'il te plaît, nous voulons le voir. Vous ne pouvez pas le voir, mais lui, il vous voit. Il vous accompagne partout où vous allez. Faites-lui confiance. Dites à Jésus que vous l'aimez et dites-lui de venir habiter dans votre cœur. Est-ce qu'il peut changer notre papa? Est-ce qu'il peut le rendre gentil? Oui, Jésus peut changer son cœur. Alors, il deviendra un père nouveau et gentil. Jésus change le cœur, même le plus mauvais. Que devons-nous faire? Vous devez accepter que Jésus devienne votre ami. Vous devez promettre de lui obéir.
Jésus viendra habiter avec vous et ne vous quittera jamais. Oui, moi je veux que Jésus soit mon ami. Moi aussi. Désormais, dites tout à Jésus, il vous comprendra. Dites à pour rentrer à la maison, je dirai toute la méchanceté de papa à Jésus. Abo, est-ce que vous avez mangé ce midi? Ah, Dossé, mais qui t'a blessé comme ça? Tu t'es battu avec tes camarades? Non, je ne me suis pas battu. Et qui t'a donc blessé? Papa, ce n'est rien. Papa, c'est toi qui nous as frappé. Moi? Je vous ai frappé? Mais quand? Ce midi. Papa, j'ai quelque chose à te dire. Jésus t'aime. Sophie nous a dit que Jésus apporte la joie dans les cœurs. Jésus? Oui, papa. Jésus, est-ce que tu le connais? Papa, pourquoi tu n'as jamais cherché à le connaître comme les parents de Sophie? Papa, si toi et maman vous l'aviez connu, maman ne serait pas partie. Sophie dit que nous pouvons parler à Jésus. Il nous écoute. Papa, demande à Jésus de devenir ton ami. Oui? Entrez. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Sophie. Sophie. Merci. Merci. Apo, envoie de l'eau, s'il te plaît. Monsieur Nouvel. Je m'appelle Maoldi. Voici mon épouse Anna et notre fille Sophie. Nous habitons de l'autre côté du quartier. Notre fille va à l'école avec vos enfants. Maoli, c'est vous qui m'aviez invité à la conférence de votre église. Oui, c'est moi. Ah. Le thème était Jésus le protecteur. Je me souviens. C'était intéressant. Très intéressant. Sophie, ça va? Monsieur, Sophie veut voir ses amis. Elle nous a demandé de l'accompagner. Voici l'objet de notre visite. Oh, c'est gentil. Merci. Et madame? Ben... Bon, disons qu'elle est partie au village. Apo! Allez jouer avec votre ami. Mes enfants m'ont parlé de votre fille Sophie. Ah bon? J'avoue que les enfants s'aiment beaucoup plus que nous les adultes. Et ça c'est vrai, Sophie parle d'Apo les dossiers avec beaucoup, beaucoup de sentiments. Je vous assure que ce midi, elle a même refusé de manger. Et pourquoi? Dit qu'elle veut aider Dossé à pour, mais ne sait pas comment. Nous les adultes, nous sommes mauvais. Et c'est justement à cause de notre méchanceté que nous souffrons. Ça c'est vrai. Le cœur de l'homme est mauvais. Et à cause de sa méchanceté, il est séparé de Dieu. Et malgré notre méchanceté, Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser périr. Dieu est amour. Dieu n'a jamais été amour. Cher monsieur Atta, laissez-moi vous dire que Dieu est amour et il vous aime beaucoup. Cela m'étonnerait. Dieu, amour? Dieu est amour, c'est vrai. Je parle en connaissance de cause. Je jouissais d'une bonne situation professionnelle. J'avais une belle voiture que j'ai vendue. J'ai été licencié. Ma femme m'a quitté. Je suis devenu minable. Alors où est l'amour de Dieu pour que tout cela m'arrive? Vous avez raison. Quand on est dépassé par les problèmes de la vie, on se pose la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et voyez-vous, moi aussi, je suis passé par le désert que vous traversez présentement. Et je me suis posé la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Je suis le fils d'un grand féticheur. Quand je devais entrer dans la vie active, mon père m'a préparé spécialement. Il m'avait donné des amulettes sur lesquelles je devrais parler tous les matins avant d'aller au travail. J'avais même ma calebasse protectrice à laquelle, et ma femme est témoin, je devrais sacrifier un mouton chaque année. Vous aussi? Moi aussi. Ma vie se trouvait dans une rivière.
je travaillais presque pour les fétiches. Et j'étais rassuré qu'il me protégeait. Puis un jour, ma maison a pris feu. Tout est brûlé. Et même les fétiches qui étaient mes soi-disant protecteurs, ils ont tous été carbonisés. Quoi? Oui. Et qu'avez-vous fait après? Je devais tout recommencer à zéro. D'abord, on me disait que le feu a été mis par les esprits des ancêtres qui étaient fâchés contre moi. Il fallait donc les accuser. Les fétiches n'ont pas pitié, hein? Eh, mon frère, les fétiches sont sans cœur. Et savez-vous ce que les charlatans m'ont demandé pour un tel sacrifice? Moi qui venais de tout perdre. Non. 2 bœufs, 6 moutons, sans compter les poulets et les boissons. Hein? Et ce n'est pas tout. Je devais nourrir pendant 3 bonnes semaines les 5 féticheurs qui se sont occupés de ces sacrifices. Et vous avez fait tout ça? Oui, mais j'ai pris des crédits pour m'en sortir. J'espère que tout est rentré dans l'ordre après. Tu parles. À peine ce sacrifice terminé, notre premier fils est tombé malade. Et vous savez ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est un autre fétiche qui est en colère. J'ai tout vendu. J'ai vendu mes pagnes. J'ai vendu mes bijoux. Pour payer les sacrifices. Mais, malgré... L'enfant est mort. Oh mon Dieu. Anna, je t'en prie. Nous avons perdu l'enfant. Ne pleure pas, ça va, Anna. Ça va. Ça va. Mon frère, voilà ce que vaut la vie avec les fétiches. Ils prétendent vous aider et ils vous dépouillent totalement. Vous devenez encore plus misérable. C'est vrai. Avant, je devais me rendre au village tous les samedis. Pour faire un sacrifice, parce que je voulais me protéger. Et moi, monsieur Atta, tous les midis, j'allais consulter un charlatan. Il a l'air misérable et il habite une autre cabane toute sale. Mais pour moi, cet homme était un dieu. J'obéissais à la lettre, à tous ses commandements. Quelle misère, quand j'y pense aujourd'hui encore. Et tout ça est fini. Comment? Tout ça est fini, le jour... Nous avons donné notre vie à Jésus. Il a tout transformé. Il nous a libérés de cette vie d'esclaves. Il nous a donné la vraie protection que nous avons tant cherchée. Mais combien cela vous a coûté? Oh, rien du tout, mon frère. Rien comme argent. Quoi? Oui. Mais votre situation passée ressemble à celle que je traverse présentement. J'ai tout essayé. J'ai aussi sacrifié ma fortune. J'ai suivi les ordonnances des féticheurs. Mais malgré cela, ma vie a été démolie. Mais je ne pense pas que Jésus puisse faire quelque chose pour moi. Je suis fatigué avec les tromperies. Justement, Jésus est venu pour ceux que la vie a déçus, pour ceux qui sont abattus. Et le seul qui a dit, voyons cela ensemble dans la Bible. J'aimerais que vous lisiez vous-même le passage de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon cher Atta, Jésus est le seul qui peut vous décharger et vous donner le vrai repos du cœur. C'est Jésus qu'il vous faut. Jésus est la solution à votre problème. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Jésus. Mes voisins sont des chrétiens. Ils m'ont souvent parlé de lui. Ils m'ont même offert une Bible que je lis de temps en temps, bon, sans intérêt évidemment. Mais cette fois-ci, je pense que je dois prendre cela au sérieux. Vous faites bien. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que celui qui croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur Atta,
Donnez votre vie à Jésus. Depuis de voir ses amis, elle nous a demandé de l'accompagner. Voici l'objet de notre visite. Oh, c'est gentil. Merci. Et madame? Ben, bon, disons qu'elle est partie au village. Apo! Allez jouer avec votre ami. Mes enfants m'ont parlé de votre fille Sophie. Ah bon? J'avoue que les enfants s'aiment beaucoup plus que nous les adultes. Et ça c'est vrai, Sophie parle d'apport les dossiers avec beaucoup beaucoup de sentiments. Je vous assure que ce midi elle a même refusé de manger. Et pourquoi? Il dit qu'elle veut aider Dossé à pour, mais ne sait pas comment. Nous les adultes, nous sommes mauvais. Et c'est justement à cause de notre méchanceté que nous souffrons. Ça c'est vrai. Le cœur de l'homme est mauvais. Et à cause de sa méchanceté, il est séparé de Dieu. Et malgré notre méchanceté, Dieu nous aime. Il ne veut pas nous laisser périr. Dieu est amour. Dieu n'a jamais été amour. Cher monsieur Atta, laissez-moi vous dire que Dieu est amour et il vous aime beaucoup. Cela m'étonnerait. Dieu amour? Dieu est amour, c'est vrai. Je parle en connaissance de cause. Je jouissais d'une bonne situation professionnelle. J'avais une belle voiture que j'ai vendue. J'ai été licencié. Ma femme m'a quitté. Je suis devenu minable. Alors où est l'amour de Dieu pour que tout cela m'arrive? Vous avez raison. Quand on est dépassé par les problèmes de la vie, on se pose la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et voyez-vous, moi aussi, je suis passé par le désert que vous traversez présentement. Et je me suis posé la question de savoir si Dieu existe vraiment. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Je suis le fils d'un grand féticheur. Quand je devais entrer dans la vie active, mon père m'a préparé spécialement. Il m'avait donné des amulettes sur lesquelles je devrais parler tous les matins avant d'aller au travail. J'avais même ma calebasse protectrice à laquelle, et ma femme est témoin, je devrais sacrifier un mouton chaque année. Vous aussi? Moi aussi. Ma vie se trouvait dans une rivière. Je travaillais presque pour les fétiches. Et j'étais rassuré qu'ils me protégeaient. Puis un jour, ma maison a pris feu. Tout est brûlé. Et même les fétiches qui étaient mes soi-disant protecteurs, ils ont tous été carbonisés. Quoi? Oui. Et qu'avez-vous fait après? Je devais tout recommencer à zéro. D'abord, on me disait que le feu a été mis par les esprits des ancêtres qui étaient fâchés contre moi. Il fallait donc les accuser. Les fétiches n'ont pas pitié, hein? Eh, mon frère, les fétiches sont sans cœur. Et savez-vous ce que les charlatans m'ont demandé pour un tel sacrifice? Moi qui venais de tout perdre. Non. 2 bœufs, 6 moutons, sans compter les poulets et les boissons. Hein? Et ce n'est pas tout. Je devais nourrir pendant 3 bonnes semaines les 5 féticheurs qui se sont occupés de ces sacrifices. Et vous avez fait tout ça? Oui, mais j'ai pris des crédits pour m'en sortir. Et j'espère que tout est rentré dans l'ordre après. Tu parles. À peine ces sacrifices terminés, notre premier fils est tombé malade. Et vous savez ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est un autre fétiche qui est en colère. J'ai tout vendu. J'ai vendu mes pagnes. J'ai vendu mes bijoux. Pour payer les sacrifices. Mais, malgré tout cela, l'enfant est mort. Oh mon Dieu. Anna, je t'en supplie. Nous avons perdu l'enfant. Ne pleure pas, ça va, Anna. Ça va. Ça va. Mon frère, voilà ce que vaut la vie avec les fétiches. Ils prétendent vous aider et ils vous dépouillent totalement. Vous devenez encore plus misérable. C'est vrai. Avant, je devais me rendre au village tous les samedis pour faire un sacrifice parce que je voulais me protéger. Et moi, monsieur Atta,
tous les midis, j'allais consulter un charlatan. Il a l'air misérable et il habite une cabane toute sale. Mais pour moi, cet homme était un dieu. J'obéissais à la lettre, à tous ses commandements. Quelle misère, quand j'y pense aujourd'hui encore. Et tout ça est fini. Comment? Tout ça est fini. Le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, il a tout transformé. Il nous a libérés de cette vie d'esclave. Il nous a donné la vraie protection que nous avons tant cherchée. Mais combien cela vous a coûté? Oh, rien du tout, mon frère. Rien comme argent. Quoi? Oui. Mais votre situation passée ressemble à celle que je traverse présentement. J'ai tout essayé. J'ai aussi sacrifié ma fortune. J'ai suivi les ordonnances des féticheurs. Mais malgré cela, ma vie a été démolie. Mais je ne pense pas que Jésus puisse faire quelque chose pour moi. Je suis fatigué avec les tromperies. Justement, Jésus est venu pour ceux que la vie a déçus, pour ceux qui sont abattus. Et le seul qui a dit, voyons cela ensemble dans la Bible. J'aimerais que vous lisiez vous-même le passage de Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon cher Atta, Jésus est le seul qui peut vous décharger et vous donner le vrai repos du cœur. C'est Jésus qu'il vous faut. Jésus est la solution à votre problème. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Jésus. Mes voisins sont des chrétiens. Ils m'ont souvent parlé de lui. Ils m'ont même offert une Bible que je lis de temps en temps, bon, sans intérêt évidemment. Mais cette fois-ci, je pense que je dois prendre cela au sérieux. Vous faites bien. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que celui qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Monsieur Atta, donnez votre vie à Jésus. Renoncez aux fétiches. Prenez la décision de suivre Dieu. Demandez-lui de vous pardonner. Il vous donnera la vie. Si Jésus peut transformer ma vie et me permet de retrouver la joie de vivre, je suis prêt à l'essayer. J'ai payé assez pour avoir un canari protecteur. J'ai essayé tous les fétiches. Il n'y a pas longtemps, je suis revenu du village où j'ai fait un sacrifice rassurant. À peine je suis arrivé, mon malheur a commencé. Un autre marabout que j'ai consulté m'a dit que c'est ma femme qui est à la base de mon malheur. J'ai chassé ma femme. Nato, le grand féticheur, a dit que je serais directeur de ma société. Ironie du sort, j'ai été le premier à être licencié. J'ai perdu mon emploi. J'ai failli perdre mes enfants. Malgré tous les gros sacrifices que j'ai faits. Trop, c'est trop. Je pense que je vais essayer Jésus. Essayez Jésus et vous verrez. Désormais, appuyez-vous sur son amour et sur sa puissance. Vous verrez, Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Il est tellement merveilleux. Vous êtes en train d'apporter une lueur d'espoir dans ma vie. Si Jésus a été votre solution, il peut être aussi la mienne. C'est pour mettre fin à notre misère que Jésus est venu. Il a sacrifié sa vie pour nous en mourant sur la croix pour nos péchés. Afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie et le vrai bonheur. Il a vaincu la mort en ressuscitant pour que nous soyons victorieux. Monsieur Atta, donnez votre vie à Jésus.
Jésus vous aime. Avec lui, l'espoir jaillira à nouveau pour vous. La joie et le bonheur couleront en vous. La vie est en Jésus. Et non dans les fétiches, dans les talismans, dans les cordes, dans les rivières. Priez pour moi. Si j'avais su. Oh Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je te donne ma vie. Je renonce à la voie des fétiches. Je ne ferai plus de sacrifices d'animaux. À partir d'aujourd'hui, je renonce à l'adoration des rivières, des montagnes et des bois. Sois désormais mon sauveur et mon protecteur. Plutôt merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Apo, Dossé. Oh, mon cher enfant. Pardonnez-moi pour tout le mal que je vous ai fait, à vous et à votre mère. Grâce à vous et grâce aux parents de Sopi, j'ai découvert le chemin de la vie, le chemin de l'espoir. Demain, nous irons chercher votre mère.